C'est certain, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va bien. Et aujourd'hui, bien, je vous fais une. Ben, pas juste une. Je vous fais plusieurs annonces, mais une en particulier qui va être assez grande. J'avais annoncé dans la vidéo tutoriel, en tout cas. Et ben voilà. Donc, tout d'abord, j'aimerais juste vous souhaiter une bonne rentrée scolaire. J'espère que je peux pas parce que mon micro, oui, je vous parle avec le micro que j'ai acheté à 2$. Et puis il va super bien, donc j'espère pas que vous allez m'entendre tourner la tête parce que j'ai comme un cahier à côté de moi avec plein de notes. Donc voilà, hein, c'est pas mal. Donc j'ai filmé pas mal de clips sur le jeu dans. Je vais sûrement faire dans le montage vous écrire c'est quoi ou vous mettre une photo. Je me rappelle plus du tout du nom. C'est quoi déjà? Non, je sais pas. Mais voilà, c'est un jeu de course que. Pas vraiment beaucoup de gens font de vidéos dessus parce que voilà, hein, maintenant c'est plus qu'à l'outil et tout. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc il y a un peu de tout, hein, c'est le mode campagne. Donc il y a de la démolition, il y a la course en 8, il y a de la course normale. En tout cas, il y a plein de trucs. Mais j'ai pas mis toutes les clips parce que voilà, hein, j'en ai mis 5. Ouais, 5. Et puis ça faisait 14 minutes. Donc j'en ai filmé. 4, 5, 6, 7, 7 clips, donc voilà. Donc oui, voilà, bonne rentrée à tous. Donc voilà. Donc, je vais vous parler d'un truc, en fait, parce que j'avais pas eu vraiment le temps de vous en parler dans la vidéo du tutoriel de la bannière. C'est de mon partenariat, donc oui, je suis passé partenaire avec Actualité Jeux Vidéo, donc vous avez vu l'intro au début. Donc je vais plus approfondir, ouais c'est ça, les mots. Voilà, c'est un partenariat qui n'échange pas d'argent. C'est un peu facile d'être partenaire avec eux parce que tout simplement, c'est pas comme si ça, on s'échangerait de l'argent, ils nous donneraient de l'argent et tout. C'est juste qu'ils voilà, ils font de la pub pour nous sur Twitter, sur leur blog et tout. Et nous, en échange, ben, on met leur intro. Et puis moi, ben, je mets le lien de leur blog ou leur site internet dans la description. J'espère qu'il va être là. Voilà, si vous êtes intéressé à avoir un peu de pub, hein, sérieusement, c'est. Pas wow, tu vas donner avec 1 million d'abonnés, mais quand même, ça peut te faire monter. Quand exemple, tu sors une nouvelle vidéo, eh bien, tu leur envoies le lien sur Twitter et puis ils disent voilà, telle personne a sorti cette vidéo. Donc, c'est assez impressionnant ce que peut faire Internet de nos jours. Non, je te connais. J'ai tellement dit de la merde. Donc, tant qu'à rien faire, je vais aller sur ma chaîne YouTube en attendant. Oui, hein, oh fuck, j'ai perdu un abonné, chier. Oui, c'est ça, j'ai une nouvelle bannière, une bannière, vous irez la voir si vous l'avez pas vue, sérieusement, moi je la trouve super trop belle. Oui, voilà, avant je faisais plus des bannières toutes propres, toutes simples, qu'on voyait toutes, et puis là, je me suis dit, pourquoi pas essayer, tu sais, avec des plein d'effets spéciaux et tout, et puis sérieusement ça donne très bien. Lui qui a donné des petits trucs comme ça, non c'est en fait moi, ouais non ben lui qui a fait qui m'a un peu aidé, ben qui m'a pas aidé mais sa vidéo m'a aidé, c'est lui qui m'a ben, j'ai mis le lien de sa chaîne dans la vidéo de Big de comment créer une magnifique bannière. Désolé, j'ai de la misère avec mes mots, mais voilà, mais c'est pas le même truc, sérieusement, j'ai carrément mis plein d'effets spéciaux, donc moi j'aime plus ça. Vous avez peut-être remarqué qu'il y a une carte de Joker, tout simplement parce que si vous remarquez que le texte, je sais pas si pour vous, mais moi je trouvais qu'il faisait un peu Joker, là, genre, non, peut-être pas, là, mais en tout cas. Voilà, et puis j'aime beaucoup les Joker. Comme dans Batman, moi je votais pas pour Batman, je votais pour le Joker. Voilà. Ok.
Oh my god. Donc, on va aller sur mon blog maintenant. Vous ne le voyez pas, mais voilà. Donc, j'ai plein de trucs à expliquer. Il faudrait que j'approfondisse mon truc parce que voilà. Donc, mon blog, parce que oui, j'ai créé un blog. C'est un blog pas avec les trucs là, qu'il faut écrire et tout. C'est avec Wix.com. Donc, moi, je croyais que ça allait pas être si beau, mais sérieusement, je suis très fière de moi. Donc, quand vous arrivez sur le blog, premièrement, le lien de mon blog est toujours dans la description. Donc, quand vous arrivez, il y a l'accueil. Donc, vous allez voir bienvenue sur mon blog. Là, il va avoir mon logo. En tout ça a été écrit clic. C'est juste pour vous rendre sur ma chaîne YouTube. Ensuite, on voit inscription Team GTA 5. Donc, il y a des photos qui défilent. Je vais vous en parler de c'est quoi l'inscription. Ensuite, discute avec moi. Ça, c'est aussi, je vais vous en parler. Ensuite, info YouTube. Ouais, c'est quoi ça? En tout cas. Et puis là, vous allez voir à côté, c'est écrit mon blog, point d'interrogation. Là, j'ai dit plein de trucs. Et je pense que j'écris à la fin. Pour plus d'infos, va sur la présentation parce que la deuxième page, c'est écrit présentation. Donc, quand on clique dessus, premièrement, je me présente moi en vrai. Et ben, je présente mon blog par la suite. En dessous, vous voyez encore le logo, mon logo de chaîne. Et en dessous, clic, c'est pour vous rendre encore une fois sur ma chaîne. Ensuite, musique de mon intro, parce que je vous avais dit que j'aimerais ça vous montrer la musique complète de mon intro. Donc, je me suis dit pourquoi pas vous la mettre. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, allez la voir. Juste cliquez sur le petit bouton, ça vous le met. Donc, ensuite, GTA 5 inscription. Je vais vous en parler. C'est quoi cette musique de merde? Oh shit, si vous l'entendez, je pense que ma vidéo va être extrêmement nulle. Donc, oui, quand vous arrivez sur GTA 5 inscription, vous allez voir quand ça va être écrit comment être dans ma team. Parce que oui, je recherche quelques personnes, 2 à 3 personnes pour être dans la team GTA 5 online. Ben pas solo, hein, online. Pour faire des braquages et tout. Pas pour faire des parties team deathmatch et tout. Mais vraiment pour faire des braquages et tout. J'aimerais ça vraiment avoir une team. Donc, il y a des trucs obligatoires. Donc, je vais vous les dire. Si vous voulez vraiment les relire, allez les relire. Parce que c'est plus, voilà. Obligatoire. Puis quand je dis c'est obligatoire, là, vous avez... Il y a 5 trucs obligatoires. S'il y en a un qui vous manque, oubliez ça. C'est sûr que non. Donc, premier, vous devez avoir une Xbox et avoir Xbox Live. Ça, c'est normal parce que j'ai pas PS3. Donc, si vous êtes sur PS3, oubliez ça. Deux, il faut avoir déjà joué à GTA. À n'importe quel GTA, hein, mais déjà joué. Parce que si vous avez pas c'est quoi GTA, et bien, vous allez dans la merde. Donc, trois, vous devez être mature. Donc, qu'est-ce que je veux dire par mature? C'est pas faire des conneries. Tu sais, vous pouvez avoir 9 ans. Mais tu sais, immature, tu sais, des gens matures. Moi, je veux dire, pas dire la merde, dire. En tout cas, ben, numéro 3, il ressemble un peu. Ben, en fait, le numéro 4, ça veut dire. C'est quasiment la description du numéro 3. Donc, 4, être capable d'avoir du fun et être capable d'être sérieux quand il le faut. Donc, si on fait un braquage, je voudrais pas qu'on fasse les niaiseux. Je veux qu'on soit sérieux un maximum. Et puis, quand on se détend, ben, on peut niaiser. Moi, sérieusement, j'adore niaiser, mais voilà, si on fait un braquage, ça me tente pas que ça soit de la scrap, donc voilà. Et cinquième, obligatoire, je pense que s'il n'y a pas ça, ça serait extrêmement nul, avoir un casque d'écouteur avec un micro pour la Xbox, parce que voilà, pas la Kinect, un casque d'écouteur, parce que la Kinect, on s'entend double, si je veux faire une vidéo, c'est toujours de la merde avec le son et tout, donc vraiment, là, pas la Kinect. Je suis rendu à combien de minutes, moi? Je sais même pas. 9 minutes? Ok, c'est good. Donc, ensuite, ben, en fait, comment vous me demandez? En fait, c'est par le mail. Donc, vous écrivez, vous irez voir, en fait, si vous êtes intéressé, hein, ça dit quel âge as-tu et tout. Donc, voilà, le mail, c'est écrit en tout. Et vous allez voir un petit truc en bas, ça va être écrit en parenthèse ou en crochet on. Et quand je recruterai plus, ça va être écrit off. Donc voilà. Maintenant, contact. Si on clique sur contact direct, il n'y aura rien. Hein, sérieusement, ça sera une page vide. Donc, il faut juste vous laisser votre souris sur contact et vous descendez. Il y a Twitter. Donc, Twitter, c'est parce que c'est pas vraiment fait encore. C'est rien de sûr. C'est que j'aime Twitter, mais
je voulais l'avoir sur mon blog et puis je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai écrit sweater parce que S est surtexte. Et puis je me suis dit bon pourquoi pas. Donc je suis en train de l'arranger. C'est un peu difficile de toujours faire ça. Et puis en bas, c'est une affaire, un truc de commentaires. Si vous voulez écrire des commentaires, sauf que je suis pas premium. Donc il peut y avoir maximum 10 commentaires. Je sais, c'est nul. Donc si vous écrivez allô, 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 10 fois, bon, ben c'est un petit peu con. Mais voilà. Ensuite, il y a le chat. Ça, c'est vraiment pour parler avec moi. Ben en fait, c'est un chat que tout le monde peut y aller dessus. Donc, le chat, qu'est-ce que c'est? Bon, en fait, pas obligé de s'inscrire, hein, vous marquez votre nom, n'importe quoi. Et ensuite, vous pouvez parler. Je suis souvent là-dessus, mais là, pour l'instant, il n'y a personne, vu que j'ai pas fait de pub. Et à côté, vous allez voir, c'est écrit Zomboy. Là, il y a un petit play. C'est tout simplement une musique. Une musique, voilà, une musique que j'ai mis. Je la trouve pas mal sympa, mais voilà, Zomboy, c'est un groupe de musique ou je sais pas quoi. Donc, voilà. Et si vous allez sur le chat, vous allez voir, c'est écrit Mathieu. Allô, c'est juste parce que je faisais un test. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de mon blog. Ouais, pas mal. Donc oui, il va peut-être avoir des modifications des fois, puis peut-être que je vais rajouter un onglet. Peut-être que ça va être mon portfolio, parce que des fois je fais des créations de bannières et tout. Peut-être que je vais faire ça, je ne sais pas, mais voilà. Donc maintenant on a fini pour le blog. Maintenant je vais vous parler de la grosse nouvelle, la nouvelle que personne n'attend, non, je sais, mais la grosse nouvelle que je devais vous parler. C'est une nouvelle tout simplement. Pas que j'arrête les vidéos, mais en fait parce que voilà, les let's play, pas parce que ça m'intéresse pas. J'arrête les let's play tout simplement. J'arrête les gameplays, j'arrête tout. À part une chose que j'ai pas commencé, les vidéos de détente. Donc, en fait, qu'est-ce que ça va être ma chaîne, ok? Donc, en fait, je vais tout vous parler de ça. Donc, ma chaîne va être que des vidéos détente. Et peut-être quelques fois des vidéos que j'ai fait, ça dépend si j'ai le temps. Des fois, ça me tente, des fois, ça va être rare, mais des fois, ils veulent en avoir. Donc, vidéos détente, qu'est-ce que ça va être? Bon. Il va en avoir, il peut en avoir une fois semaine, n'importe quand, l'autre semaine, trois vidéos. Il peut avoir du n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que je risque de faire? C'est plus des vidéos avec mes amis. Comme sur Call of Duty MW3, on joue un truc police, voleur. C'est assez cool. Donc, peut-être que je pourrais vous faire une vidéo là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, ben, GTA 5, c'est sûr, je vous fais des vidéos là-dessus. En solo et en multiplayer. En multiplayer avec mes amis, je pourrais faire un serveur privé. Et puis, on pourrait faire une petite map, là, et tout. On pourrait faire des guerres et tout. Ça serait assez sympa. Mais voilà, hein, tout plein de jeux. C'est à peu près sûr que. Voilà. Et ben ça va être rare que je vais être en solo, mais ça pourrait. Hein, sérieusement, je vous dis pas le contraire. Donc voilà, vidéo détente, il va y en avoir de plein. Je pense pas faire des vidéos multijoueurs, ben, genre sur Call of Duty, là, en multiplayer, non, ça m'étonnerait parce que voilà. Tout simplement. J'en ai sur Black Ops 2. Un écran scindé, en fait, il y a des trucs, c'est. Combat de boxe, c'est comme on scotte au couteau. Il y a le lancer de la grenade au mur, et là, en tout cas, faut pas que tu éclates et tout. En tout cas, j'ai plein d'idées. On pourrait créer des jeux, sérieusement, il y a plein de jeux. Vous pouvez m'en dire dans les commentaires et tout, ça me dérange pas. Donc voilà. Donc là, peut-être que vous posez la question, ouais, mais si t'arrêtes les let's play, Black Ops 1, c'est quoi là? Donc, c'est simple. Je me disais, Caroline, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, je vous ai dit peut-être que je vais l'avoir. J'étais à 5 quand il va sortir. Peut-être ou peut-être pas. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Mes deux vidéos, parce qu'il reste 2 semaines, ouais, 2 semaines environ. Mes deux vidéos, je vais les poster, que j'ai faites. Et puis, si j'ai reçu le jeu le 17 septembre. Et eh ben j'arrête le let's play, j'arrête parce que voilà, il faut que je fasse une décision, hein. C'est quand même pas facile. Donc j'arrête les let's play et j'arrête le let's play Black Ops 1. Mais si je ne reçois pas le jeu
Eh bien, je continue, mais j'espère pas que je vais continuer parce que je veux le jeu. Mais tu sais, on s'entend que oui, peut-être vous allez être déçus que j'arrête les vidéos sur Black Ops 1, mais on s'entend que entre Black Ops 1 et GTA 5, on peut s'entendre sur quelque chose. Hein. On peut se dire que GTA 5, ça va être 10 fois plus le fun. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? En tout cas, j'ai plein de jeux, j'ai plein de Call of Duty. Je pourrais. Voilà, j'ai. C'est fou comment j'ai. Voilà, c'est. Voilà, vous pouvez. J'ai. Ben, comme le jeu là en ce moment. Vraiment, je vais en faire beaucoup avec mes amis. Quand je vais faire des braquages ou des. Sur GTA V. Des fois, je vais pas le filmer, c'est sûr. Mais la plupart du temps, je vais le filmer, sérieusement. Pas tout le temps. Voilà, je vais le filmer quand ça va me tenter. Parce que, voilà, avec l'année scolaire, et puis cette année, je veux vraiment étudier. Je veux vraiment plus m'acharner sur l'école que sur YouTube. Parce que, ben, c'est normal, hein. Si on veut un travail plus tard, c'est un petit peu normal, hein. Donc, voilà. Donc, quand ça va me tenter, quand je vais avoir le temps, je vais en faire. Et si je suis dans ma chambre, je suis en train de relaxer, ça me tente pas d'aller sur la Xbox, et bien je pourrais faire des vidéos GFX, soit des speedrun, soit des tutoriels. Ça me dérange pas, sérieusement. Moi, sérieusement, je vais plus aimer ça comme ça. Et puis voilà, hein, tout simplement, je suis rendu à combien de minutes? 16 minutes, et putain, j'allais dire un autre truc, mais voilà, je pense pas que je vais le dire. Donc, en espérant que. Ben, ce sujet vous aura plu, la grosse nouvelle, parce que voilà, ça m'a pris quand même une semaine à réfléchir et pour finalement me dire ouais, ce serait une bonne idée. Et puis voilà, donc si vous êtes déçu, ben je peux rien y faire, heureusement, mais voilà, c'est quand même mon choix. Et puis voilà, tout simplement. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, à commenter la vidéo et à vous abonner parce que là j'ai perdu un abonné, sérieusement, remplacez-moi. Remplacez-moi. Remplacez-le, je veux dire. C'est voilà. Hein, j'étais à 21 abonnés, j'étais comme yeah, vu la bonne abonnée. Oh merde. Voilà. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit. Ah oui, la vidéo clip GTA 5, les vidéos, les clips des émissions de TV que j'avais pas le droit de mettre. Et ben, ça fait une semaine que j'ai mis. Et puis non, il est pas enlevé. J'étais comme, ok, dans 10 minutes, ils vont l'enlever. Non, pas encore, pas encore. J'étais comme, non, mais c'est une blague. Donc, je suis quand même content, 75 vues, ça fait quand même plaisir. Donc, voilà, je vous dis à la prochaine. Ben, c'est ça, à la prochaine. Allez, bye bye.